Scarlett Johansson a toujours été honnête et ouverte en parlant d'elle, et dans le nouveau numéro d'Interview Magazine, elle nous donne un petit aperçu de son enfance à New York. Scarlett révèle que son souvenir le plus vivide de la Grande Pomme remonte aux années 90, quand elle avait 11 ou 12 ans, ou comme elle le dit, quand elle était dans la fleur de l'âge. Oui, tout ça était bien avant Sex and the City, comme elle le dit, quand elle était juste une écolière qui traînait dans son quartier. Mais au lycée, un petit examen appelé le SAT ou l'équivalent du bac en France a eu raison d'elle. Pour ainsi dire, Scarlett, cette très belle actrice talentueuse qu'on adore, ne cache pas le fait qu'elle a une note de 1080 aux examens. Pour ceux qui ne le savent pas, la note va jusqu'à 1600. Elle admet que 1080 est plutôt bas. Scarlett dit que les étudiants studieux obtiennent aux alentours de 1240, bien plus qu'elle, mais elle précise qu'elle a probablement obtenu un score aussi bas parce qu'elle n'a pas répondu à la moitié des questions de maths. Heureusement pour elle, les choses ont bien tourné.